Nous sommes le pont entre les États-Unis, le Canada et la RDC. ExoFreight, vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagés et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des États-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo. Nos adresses, aux États-Unis, 1000 Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, boulevard Monk, H4, E3, H8. À Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Rigini, commune de Lemba, et bientôt à l'est de la RDC. Avec ExoFreight, il n'y a plus de limite. Semaine Bandeko Balanti Bojuli Bakwa Kolanda Bisho partout à travers le monde mbote pe boye bola montoli keke bolekisi weekend malamu elongo na mabota na bino bozali libanda na kati ya mboka bakongo manyoso mbote na bino na basango ya tongo na lelo l'union sacrée investi Félix Tshisekedi comme son candidat à la présidentielle de décembre prochain. L'actuel président de la RDC pourra déposer sa candidature d'ici la fin de la semaine. Il le fera soit en tant qu'indépendant, soit en tant que UDPS, l'Union sacrée n'ayant pas une personnalité juridique. En attendant, il faut dire que le président Tshisekedi est arrivé hier à Lubumbashi, au Katanga, à Pibisika, à co-procéder na inauguration. Il y a un ouvrage, il y a un dengue, en sécurité dans l'est du pays. L'armée congolaise dément avoir attaqué l'opposition du M23 dans le Massis et affirme respecter le cessez-le-feu et les engagements de Luanda et Nairobi, contrairement aux rumeurs qui circulent sur le réseau social. L'armée rwandaise opérant sous le label M23 ont simulé une attaque à Kolwezi dans les territoires de Masisi dimanche 1er octobre pour justifier ses interventions belligérantes et ses multiples violations de cessez-le-feu. Le FARDC rassure que tous les espaces encore pas encore occupés par les rebelles du M23 seront bientôt libérés et l'armée loyaliste sollicite l'accompagnement de la population et son armée pour gagner cette guerre. Voilà, il faut dire que week-end de l'équipe, actualité Zali et Zalaki moi et Belé, Adolphe Mozito président, il y a nouvel élan à déposer qui candidature na yena seni pe Zali ko Senga élection et Salamalam et week-end Kaka Eleki Moïse Katumbi Pe Azalaki ont tourné Aoutaki Bongo Kozonga Delice Sanga Pe Azali ont tourné Union Sacrée et Zalaki Bongo na congrès Wat Bisika ba plébiscité président Félix Tshisekedi Lokola candidat na bango Menangambunaye Lamuka Pe Martin Fayulu ba décidé de déposer candidature na prochaine présidentielle. Question Etikali Moko quid sur finalement sort ya baï SID pe baï la mukanyonso o ba koti na course électorale te puisque au préalable na bango ezala ki audit ya fichier électoral ya asika awa et salemité. Qu'est-ce qui va se passer? Comment est-ce que baza sur que ba ko surveiller transparence na maponomi ezali ko ya tokolo belango cours ya émission ya mokolo ya lelo na baimbo ka bazana biso sur ces plateaux toza bongo na moko ya bayi oboyebi malamu malamu ndeko Clément Muza KMB azali moko ya bayi lisanga SIDP moko ya bakambi ya exécution kuna na changu pe moko ya basoldat ya Martin Fayulu ndenge moko komi benga koki deja ko rejoindre biso sur ces plateaux pour na kolobela bongo ko expliquer na mozindo penza o ezali ko pesa moi mbutu mbutu pe critique na niveau et opinion sur opposition na bango mwana mboka mbote pe boye bola mbote mama journaliste mbote na bande konyoso yo na etando ike à travers le monde entier na nzela ya internet au Rwanda biso merci le sous pour na invitation na yo pour na kosolola
Makambo Etali, Mboka Nabiso, République démocratique du Congo. Marcel Fayulu décide de déposer candidature na ye na ba élections à l'Ekoya. Réaction na ye à l'Iboso les années. Ah, mais réaction na l'Iboso, maman, yo yebi ango déjà pe Congo mobimbe yebi. Na le kakia wananzela émission na yo, na yebi sa ki yo ke ponangayi. Soda makasi, moko ya ba soda makasi ya Martin Fayulu. Na ko senga na ye a déposer candidature na ye et sengozali mingi pa inanga parce que oyo ngai na senga ki oyo mbela nga na pesa ki parce que biso doza bato to vandara na population biso penzo la mugi na tongo boye o tuti pondu na yo pa maman Marie Jeanne soko ke pa maman Bea baebi déjà que za pa maman Bea ye peso ka si saibi ke a o pesa maman Nanto biso doza la information na journal te na zela internet ite. Donc tant que peuple azo réclamer, c'est tout à fait normal que le commandant du peuple Moto Alonga qui est élection en 2018 a déposé candidature na ye pe a déposé en gros les 4 donc mercredi a kokindikotika candidature na ye na seni. D'accord, merci beaucoup. Il faut dire que bah candidature ezali ko c'est déposé kuna na seni et ko si lati le 8 octobre oyo bande ko bazali ko koba Félix Tshisekedi lokola mokambi ya mboka pe moko ya bayi oyo ba ko za na élection oyo ala ki pe ko déposer candidature na ye na mikolo ezali ko ya. Il faut dire que Azuami na Lubumbashi ndenge to uta ki koloba yango to za ndeko union sacrée bango bandimi tata mokondi ekolo lokola candidat na bango ndeko Patrick Makanga azali moko ya bayi FDCA ezali ko kamba mabongo na parti cher ya honorable président ya Sénat Modeste Batu Lukwebo ko ki deja ko rejoindre biso sur ces plateaux ngaye etolo bela mayi matali bongo République du Congo mwana mboka Patrick Makanga bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup na invitation na mokolo ya lelo mbote na baye bayi congolais nyonso babe bisiko abele mi bolanda biso et puis voilà la repesa pe mbote na ko débatteur na ngaya mokolo ya lelo bouti congrès bonzimi tata mokambi ekolo azala lokola président ya union sacrée lokola candidat président na union sacrée est-ce que bino na ngambo ya FDC comment est-ce que boyambi sango yango est-ce que c'est parce que batu yo so bandimi nde no bino bonzimi toi bozali penza na ba élément ba raison et sali que bino bonzima tata mokambi ekolo lokola candidat na bino. Maman Naomi, vous souviendrez que Nangabo y a FDC, P. FDC le la parti politique et puis FDC y a le la regroupement politique. Tous ali ba yambo. Nde ba se prononsaka na ba instance statutaire. Il y a parti politique FDC et puis il y a regroupement politique FDC allié. Il vous souviendra que l'FDC déjà s'est prononcé à plébiscité candidature. Il y a Mokonzambo ka Félix Antoine Tshisekedi liboso il y a ba parti politique peu ba regroupement politique nyonso parce que biso tozali ba yoyo to monaki déjà na musika que eza autour il y a la personne il y a l'actuel chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi que nous pouvons espérer mbongwana et puis bien-être il y a ba yi congolais nyonso nango biso makambo selemi lobby et puis si biso lisusu esengo. Parce qu'il est entériné position au bureau toujours déjà depuis longtemps. Parce que tant qu'on a ça, tant qu'on a organe statutaire, na maïmatali FDC toujours na bureau politique comme parti politique à plébiscité candidature. Dans mon conseil actuel Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et puis na maïmatali FDC y aller comme regroupement. Ils allaient la conférence de président et se réunissent pour na au plébiscité candidature. Il y a actuel chef d'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc, pour Nabiso, ils ont le sujet de joie. Ils ont été Sengomingi. Et comment on a été. Nous avons agi en aigle. Donc, FDC allié avait comme une sorte de vision de l'aigle, des loups, on avait déjà vu. Et plus on est en train de s'approcher vers les élections, les autres ont vu. Et puis, l'essentiel, c'est ce qui s'est fait hier. Et on sait qu'il n'y a pas match en face parce que la population a déjà ici que Belémi Bambo na misatnan bazako tanga déjà bazako sentir action à Mokonzambo juste en 5 ans parce que on doit se mettre d'accord sur le fait que les changements tant entendus ya Mboka Webeba pendant 60 ans ne pouvaient jamais intervenir na 5 ans pouvaient jamais intervenir juste en 5 ans comme ça
Mais curieusement, contre toute attente, l'action actuelle de Konzamboka, on sent que chacun dans différents coins sent quand même l'impact, et surtout, entre autres, la gratuité de l'enseignement. Ouais, tout le monde. Tout ici, gratuité de l'enseignement, ça attaque tout le monde, même dans ma famille, dans votre famille aussi. Mm-hmm. Même dans la famille des gens de l'opposition, ils ont bénéficié aussi de la gratuité d'enseignement. Il y a l'enseignement de base. Il y a un robot qui a la maternité, il y a un bazali. Il y a bateau et union sacrée, il y a politicien et union sacrée, et ça va Congo. Donc, pour dire que juste dans moins de 5 ans à Pamba, déjà, action, tout le monde dans différents coins a ressenti. Pendant que ce n'est pas dans 5 ans qu'on peut changer un pays qui a été presque abîmé pendant plus de 60 ans. Très bien. Merci beaucoup, Ndeko Patrick Makanga, Nalobi Angotene Bandeli, Mwanamboka, le prix Nobel de la paix, Denis Mukwege à Kozala Lelo, en conférence de presse. C'est ça déjà à 12h, na ville-province à Kinshasa, Bissika a communiqué, Topé a coupé sa Bongo Makanisinaye, na Makamboye Zalikoya, notamment par élection, et Tozoli qui a déclaré candidature, na ye, selon ma proche, na ye, Balaki, que Azali déjà à Kinshasa, pe a s'exprimé Lelo, si Maya maman ou bapé ça qui est bon mon solo poids s'est présenté le cola candidat président Ndeko Moussa Clément au Zongelayo lelo question mon quoi ton ami attend dans les réseaux sociaux il faut mon ango partout sort na bino ezalini parce que lelo seni a boyi kondima ma candidature na bino le quoi ma candidat candidat député national et provincial sort ya bayi esidé ya bayi lamuka sima ya leader na bango o endure bango keto kende te et puis yemoko lelo ngi akine bino bosepe nango mais sort na bino sur le plan politique ezani bon maman ngana sala un peu moi attention à sémantique. Ça a vraiment attention à la sémantique parce que dit que moi je suis un élu du peuple. Moi j'ai été élu, le meilleur élu de l'opposition à Tchangunga et Clément Moussa. Je siégeais dans ce parlement pendant 8 mois. Et mon Kilimo Mbeyebi, que pour mon combat, je laissais ma veste là-bas au parlement. Pour mon combat, j'ai été invalidé par Ndeko Kalonji, Oyazwaki seulement. 272 voix. Je dis bien 272 voix. Donc, à Koko Tanaba voix nangaï, mbala 20. Aux Hollandes. Et vous avez vu comment on a nommé les gens. Dans l'une des personnes, nous précisions, nous moutou nanaïo. Martin Fayoulou a pekisa moutouté, a gagné de déposer candidature. C'est le groupe qui a décidé. Collège Yaba président, Nyonso Yalamuka. Ils ont décidé. Je participais à toutes les réunions. Donc, vous pensez que Ngaï comme un élu, quelqu'un peut m'embarquer? Je prends une décision en âme et conscience pour l'intérêt de la République. Je pense que Zabongo. Donc, d'abord, c'est la décision du groupe. Voilà pourquoi la communication à Martin Fayoulou. J'étais là, bien sûr. Oui, n'a pas eu communication. Oui. Pourtant, à ce qui a été dit le 19 juin, nous avons décidé. J'ai dit nous, pas lui. Nous avons décidé, y compris lui. Et nous avons donné toute la motivation. Et qu'est-ce qui a changé pendant? La CENI n'a pas refusé nos candidatures. Nous avons dit on ne dépose pas. Par rapport, il y a un élément où il y a affiché. Je veux que tout à la calme. Mm-hmm. À un moment, la vie politique, on ne gagne pas toutes les batailles. Dans la vie politique, on ne gagne pas toutes les batailles. Déjà à l'université de Kinshasa en 1992, j'étais secrétaire général adjoint d'un grand parti politique de l'opposition animé par le feu professeur Arthur Zahid Ngoum. J'ai mené ce combat avec un grand leader de l'opposition, M. Tshen Tshisekedi, paix à son âme, notre héros. Je connais les parcours politiques. Na yebi, ce que nous voulons pour ce pays. Donc, les lots, nous avons pris la décision. Je dis nous, c'est-à-dire que sans exception, tous les présidents, il y a un parti politique, ont donné leur accord. Bissot, réfléchissez à Rapo Namboka,
tokenda pona olanda mutute ndeko clément moza tokene malemba expliquer biso décision est essentielle à quel mais je suis en train de vous expliquer. Laissez-moi oui. Quelques secondes à expliquer ou bien. Si on a relancé, merci. Décision en échange Ernie. Tant que Baninga va député national et provincial, Baninga va déposer Bobby Kenyette, il faut tout ça l'audit et affiché électoral. Va clôturer la liste de Bimi et comme tant que le candidat président Bobby T. Ndeko Fayou là qui n'est pas. Vous avez déjà posé la question. Vous avez déjà posé la question. Échanger à Vinabino. Mais opposer déjà la question, Tikana Ibsa, on a son répondre. Je vous en prie. C'est pourquoi on a pu sur le document. Bisotoza Bato, Totangi Nekola Basango. Ce qui bat tout mutuna, il faut payer sa motivation dans ponani no komiwana. Donc, nous avons eu à décider, et je pense que Lelo, nous avons récolté quelque chose. Voilà ce qu'il nous a demandé. Na nenge to décida qui ensemble, to décider les sous ensemble pour que toi Bissa Martin Fayulu au kokende ko déposer candidature na yo. Qu'est-ce qui a changé? Oui, nous étions dans un boulevard. Oyo ndeko kadima na molongo nyoso asombo ya inyo sake ba monaki que il faut ba sakana na peuple pour ba yiba sous élection ba sala braquage électoral net na 2018. Nous avons placé en termes techniques des dodan lelo 1 madame attends maman te kana wenze ayebi c'est quoi un fichier électoral. C'est pourquoi na yebi ba gagner ba bataille inyo sauté na politique. Nous avons demandé l'audit du fichier électoral. Kadima Aboy. Nous n'avons pas croisé les bras. Bandeko, il y a société civile, notamment l'église catholique et protestante. Na bandeko mususu, il y a société civile. Basengi, audit citoyen. Baboy. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut travailler comme politique. Tobeteli bangoubala likolo. Lelo yebike audit citoyen salami. Pardon? Lelo, oui. Soko keyi na BTRC, na bureau pour que nous soyons 4 na yo ya duplicata. Soki batubaza 10. Yebake entre 5 ou 6, kombo na bango ezate. Il faut basale la bango carte mususu. Nous avons des preuves. Parce que 80% yaba Congolais lelo bazana carte d'électeur. Soit ils ont combattu, soit ils ont élongé. C'est indiscutable. Parce que qualité à la carte, ils ont enrôlement, ils ont. Ok, madame? Et par rapport à tous ces éléments, bande de Konabiso, il y a l'église catholique. Ça, il y a appel. Je dis ça ici. Nous avons dit oui, nous répondons à cet appel-là. Humblement. On a dit, madame? Et va proposer la tabulation. La tabulation des résultats, il y avait élection. Et aujourd'hui, les 47-3, ceux qui européens sont en Gonga, nous avons expliqué les 47-3, c'est quoi? Les lots, ils en ont d'autres pour être appliqués. Parce que Dekoka Dima a accepté que Tokosa la publication des résultats bureau de vote par bureau de vote. C'est-à-dire. Mais il a toujours refusé ça! C'est un combat qui nous amène à ce niveau-là. Il a toujours refusé. Lui, il parlait de la publication des résultats. Publication des résultats. Non. Proclamation des résultats, bureau par bureau. Au moins, il y a un poteau. Sauf à l'objet que la France va publier à 20h. Au moins, 20h. 20h juste les résultats. Ce n'est pas le ministère de l'Intérieur qui publie. Donc, nous avons eu. Des choses où l'élo de Monique et tout le monde parlait de la transparence des élections. Et parce que nous avons dit à l'époque, nous allons faire la pression, on ne nous dépose pas. Bisous, nous sommes décidés à qui. Nous sommes une équipe. Et ce qui t'a avancé, Tokozonga, voilà place na yina mutuna na yo, et le gonini, Tokozonga, t'a étudié, t'a commis place nini, qu'est-ce qu'on fait? Après notre étude, Tomonique, voilà, il faut porter la candidature de Martin Fayou. Nous l'avons fait. Heureusement pour nous que tout le monde a tremblé. Heureusement pour nous. Même Batou Oyo, Bazana Bakandina Nabango, ils doivent s'occuper de la candidature de Martin Fayou. Nous avons mis une stratégie en place. Et Martin Fayou, nous sommes qui mercredi à qui déposer candidature,
nous sommes toujours dans ces combats Oyo. L'église a abandonné, la société civile a abandonné, et le peuple aussi n'a pas abandonné. Mais cependant, nous avons enregistré le départ dans Ngambonabino. Il faut trouver ça normal. Il faut trouver ça normal, le départ. C'est-à-dire que ce qui groupe a décidé, Moutoumoussou a eu Gondima, Andima, voie groupe ou bien équipe. Moutoumoussou a été intéressé, a accueilli. C'est ça la démocratie? Très bien. Voilà. Merci beaucoup, Malamboka. Est-ce que vous avez vu accueilli? Oui, mais nous disons toujours dans le plateau et la télévision félicitations parce qu'ils ont appliqué les jeux de la démocratie. C'est-à-dire, bah, Monique, solution et groupe intéressé, bah, ils sont partis, c'est clair. On parle aussi de frustrés parmi vous, malgré non, mais je suis là moi-même. Moi-même, je suis là. Je vous dis que moi, je suis un élu. Je suis là comme un homme politique. Oyo, azo sala analyse. Hein, madame? Moto na moto, azo na likambuna ye. Mais quand je porte ma voix, c'est moi d'abord en tant que politique, et puis vision est partie nanga, et puis Oyo, l'équipe partie nanga y la mouka. Nde bongo kwe bisa base na otan ba otou, ne te porte ka Martin Fayoul. Mais, maman, Martin Fayoul waza pas n'importe quel candidat. Hein, madame? Yango moni panique au neti, ekoti boy. Il n'est pas n'importe quel candidat. C'est le candidat de la constance, c'est le candidat du changement, c'est le candidat qui a intégrité. Très bien. Merci beaucoup, Ndeko Patrick Makanga Maloba Ombokawayo. Décision à Martin Fayoul Kozonga na Maponomi. Et ça, Moko Yakozongi s'inclusivité na Katia procès électoral. Est-ce qu'il y a une bonne nouvelle pour le camp adverse au Binobosa na Katia Union Sacrée? Comment vous avez reçu la nouvelle? J'aimerais. Tant que nous avons un peu de temps, nous avons un peu de temps. Nous avons un peu de temps, s'il vous plaît. Boyoka. D'entendre parler mon co-débatteur en face de Lamouka, de l'essider plus particulièrement, j'ai senti en lui la sincérité. C'est un homme sincère. N'a sentir sincérité katinaye. Mais qui du reste, ou soit malheureusement, ils ont risqué à l'étouffer, l'icolo à la velléité politique sans soubassement. N'a retenu deux phrases. Oui, ça n'a pas permettre à un statuer sur sa sincérité. Il y a le bonsoir lobby. On ne gagne pas toutes les batailles dans la vie politique. Mais il ne nous a pas dit ensuite que le type de bataille ils ont perdu. Parce que si cette phrase doit être utilisée dans le contexte que Oya a utilisé en haut, il doit au moins dire aux gens qui nous regardent, vous avez perdu quel type de bataille. Vu qu'il ne sera pas mesuré à Koloba, on va retenir la bataille où on va perdre. Deuxième phrase, j'ai retenu de lui, disant que nous avons refusé sur base de certaines raisons. Quelles sont ces raisons? Parce que c'est ça même la question. Quelles sont ces raisons? Sur cette deuxième phrase, sur cette la deuxième phrase, Oyo, Maman Naomi, ou Meki qui relancé, co-débatteur en Angaï, la deuxième phrase, pour n'appeler ça ma raison. Au moins, que, ne croyez que l'obac, non, Tosenga qui audit affiché électoral, je pense que nous les avons dit. Que l'audit du fichier électoral, la mouka moutou a kouka ki kousale en goté. Tout le monde m'a dit que c'est un audit extérieur. Audit du fichier électoral, exacté comme une histoire des enfants, bah, dans un coin. Allons auditer. Hein? Comme des enfants, bah, qui kousoko la maya tanga, la maya twenge, la maya malemba, la maya njili. Mais à Mokali, audit et affiché électoral, et ça, les macas sur base, il y a procédure, il y a passation de marché. Il faut recruter soit des experts ou soit des organes habilités à faire ce genre de travail. Il faut avoir une personnalité juridique. Mais Toebisaki Bango, audit et affiché électoral, c'est un faux combat. Pourquoi? Parce que CENI déjà a lancé un appel d'offres international. Et recruter à bureau et ça, comme ça, l'année audit affiché électoral. De telle enseigne que on ne peut pas
copé ça, audit et affiché électoral et puis bah, politicien, ou soit quelques-unes de personnes, parce que bah, là, il y a église, bah, il y a non, il y a audité fichier électoral. Bah, audité fichier électoral, tu as vu fichier électoral, tu as vu le peuple, tu as fichier électoral. Il y a des organes habilités spécialisés dans le domaine où on a. Bah, rendu qui public, bah, résolution na bango onde permettant qui même Seni a arrangé, bah, erreur, monsieur Ezala, qui entre autres, il y a eu des doublons. Nous avons enrôlé dans Kinshasa, qui avons enrôlé dans Bandaka. Nous avons enrôlé dans la place Mzouna par inadvertance. Par quoi? Ils ont enrôlé des gens qui n'avaient pas l'âge. Enrôlement là, de nous mineurs condamnons. Aussi, oui. Oui, là, nous condamnons et l'audit Ndemoutou. Et Randaki public, Makamboa, ne savait que Seigneur, ça, la tout à l'étage. Nous leur avons dit, en lieu place, il y a le audit affiché électoral pendant que vous n'avez pas qualité. Qui du reste, Monsieur Denis Kadima, les a reçus, les hommes d'opposition. À l'époque, ils étaient encore le bloc qu'ils avaient créé. Les a reçus, les a expliqués, des fautes en comble. Moi, j'ai pensé même que ces gens, ben, il y a non, tout ça, on a aussi tous un bureau d'expertise, mais ce n'est pas la contre-expertise. Hein? Même à l'informel. Mais et tout ce qu'ils ont trouvé à dire, c'était nous amener dans un terrain politique. Ça les a rattrapés aujourd'hui. Aujourd'hui, ils sont rattrapés. Tu as vu ça qui bango, botanga kaba texte réglementaire parce que ils ont la CENI comme organe et fonctionne à sur base il y a loi organique et ça les CENI. Ils ont la CENI tant que quand on a processus électoral à fonctionner non pas sur base il y a ndeko kadima deni mais sur base il y a la loi électorale parce que j'étais encore entendu dire que Ndeko Kadima Andemi a proclamé ma résultat et non a publié. Donc, vous voulez nous faire croire d'abord que Ndeko Monsieur Denis Kadima n'agit plus sur base de la loi électorale, mais sur base il meurt, il y a une opposition, soit il y a pouvoir. Ndeko Denis Kadima action est encadré dans la loi électorale. Et la loi électorale est là qui claire. Je vous avais dit ça. J'ai dit ça à beaucoup de gens de l'ECD à l'époque. Au lieu de ce qu'il a combattu, il a perdu. Il y a vérité, il y a audit affiché électoral. Il y a un battement dans la loi électorale. Il y a impulsé la loi électorale. Il y a un quoi qui était. Parce que le résultat est qu'on l'a publié bureau par bureau. Il y a un qui a décidé de bonne foi que nous travaillé, formé, préparé vos témoins. Bon, si vous témoignez, vous avez un bureau de vote Nyonso. De telle enseigne que, étant donné que le bureau, le résultat que vous avez publié, bureau par bureau, vous avez centré le trône, vous avez une preuve, il y a chaque bureau, ou sur la publication, il y a chaque bureau. Mais d'entendre parler mon co-débatteur de décider, alors bien non, prendre part dans l'élection, ou écouter Bango, hein? Il y a des candidats, députés nationaux, provinciaux, municipaux. Des candidats à tous ces niveaux. Parce que pourquoi bon, il y a une publication, il y a une proclamation. Mais je vous dis, si Ndeko Kadima doit vous dire des choses qui violent la loi électorale, je vous dis en tout cas, là vous êtes dans le rêve. On va publier. Que veut dire publier? J'ai regardé pour lui encore le dictionnaire. Pour nous, c'est publier la Kissine. Publier la Kissine, rendre public et officiel un résultat. Proclamer veut dire quoi? Proclamer veut dire colporter. Synonyme à proclamer. Veut dire colporter, crier, manifester, tambouriner. Maintenant, vous voulez vous accrocher à tambouriner, colporter, hein? Crier, claronner, plutôt que la loi est claire, disons que la loi a parlé de publier. Donc, rendre officiel, public et officiel, une situation ou soit, pour le cas échéant, un résultat. Vous voyez la cacophonie qui règne au centre de l'ECD, qui se justifie du fait que c'est un regroupement ou soit c'est une plateforme qui nage dans la confusion. Pourquoi? Il vous souviendra dans l'histoire la plus proche, l'inconstance ou soit le manque d'objectivité Nangamboala Mouka dirigé par M. Martin Fayoulou. Lors des élections en 2018, c'était presque le même scénario.
entre parenthèses, est-ce que maintenant ils veulent nous dire quoi, tel qu'ils sont là dans un système semi-présidentiel où le gouverneur, où le premier ministre est issu de la majorité parlementaire, ils veulent nous dire qu'ils veulent avoir, nous, ils veulent nous fournir un chef de l'État où il y a cause à la atana député mon côté. Le système actuel. Atana député mon côté. Donc, tu reçois un chef de l'État Oyope a causé sous 2 ans ndenge ndeko Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azo qui pona à mes campeurs qu'on fait asseoir une certaine idéologie pour ne pas adhérer na yango et pendant ce temps le pays sera bloqué. Vous pensez que les idées a aussi que ça la perte en avance? Mais bien sûr, si nous avons un chef de l'État où il a la majorité parlementaire, il ne sait pas diriger dans un système semi-présidentiel. Parce que le chef du gouvernement est issu de la majorité parlementaire. Ça, c'est une parenthèse. Donc, pour dire qu'ils sont dans les tohu-bohu. Je vous ai parlé de 2018. C'était presque de mêmes erreurs. Du côté de M. Martin Fayoulou. M. Martin Fayoulou a dit d'une manière dans ton moco ferme, non à la machine à voter, non à la machine à voter, non à la machine à voter. Quelques temps après, M. Martin Fayoulou a évolué encore pour dire Bokindeko voter n'a pas papier n'a bino. Bokosel va papier n'a bon machine à voter. Oui, n'a pas papier duplicataire. Au commun comme Martin Fayoulou au côté de la urne. Monsieur Martin Fayoulou n'a fait élection toujours pareil. N'avait élection. Monsieur Martin Fayoulou a dit Bokindeko voter, mais vous surveillez le bureau de vote. Et le lendemain, à publication, le résultat, Monsieur Martin Fayoulou a gagné non. Vérité des urnes, vérité des urnes, vérité des urnes. Devant la Cour constitutionnelle, il n'a même pas été à mesure. Il y a que fournir ne fût-ce que. Preuve à moquer. A Kenda Koubata, moi, pour nous, résultat, il y a 5 ans. Tourner 5 ans, 5 ans, non, 5 ans, non, non. Bissot, il me sert à résultat, il y a sur base, il y a extrapolation. Tout ça qui est chantier, c'est Kamoro, il est extrapolé, il y a lieu de vote. Et M. Martin Fayoulou était débouté. On l'a débouté au niveau de la Cour constitutionnelle. Quelques temps après, en 2019, M. Martin Fayoulou a commandé la vérité des urnes. M. Martin Fayoulou venait. A tient en place plan Moko est sorti de crise pour la création du Haut Conseil national des réformes, Haut Conseil national des réformes institutionnelles où il y a Zalokoana qui est chef, il y a président de la République, il y a Zalikolo, et ça là ceux qui a bâti si c'est 2 ans, si c'est 1 année ou 2 ans, il y a Zalikolo Néango. Et Simbité. Donc c'est un monsieur qui politiquement parlant n'est pas stable. Maintenant, c'est là où il vient, c'est là où maintenant je viens corroborer la sincérité de mon frère Kouabé, que non, dans la politique, on ne gagne pas toutes les batailles. Donc, sa sincérité lui a poussé à faire sortir cette phrase-là, parce qu'ils ont perdu beaucoup de batailles telles qu'ils sont là sur le plan politique. Ils ont beaucoup perdu de telles enseignes que ils veulent maintenant tenter d'une manière, dans la mauvaise manière, des échanges électoraux au Sénégal qui préparation l'anglais banda depuis longtemps. Très bien, merci. Et puis ça, c'est très ridicule. De telles enseignes que, ils ont commencé par le fichier électoral, publication, proclamation. Donc, Tindenge va rater qu'on a candidat député national, va rater qu'on a candidat député provincial, va rater qu'on a conseiller municipal, parce que il y a besoin de la publier, publication, batia proclamation. Merci beaucoup. Entre publication et la proclamation, ce qui est beaucoup plus officiel, c'est la publication. Maintenant, la proclamation, dans autre côté, la définition, donc, pour dire que la population a compris que M. Martin Fayoulou est redevenu Oya Zalaka avant 2018. Parce qu'on sait de quelle manière et de quelle façon il s'est acquis ce qu'il a comme ancrage politique aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup, Madame Boka. Je vous reviens, Ndeko Moussa Clément. Deux petites questions. Tant que Ndeko Azaye qu'on expliquait, solo à l'éthique à Malubalanga, parce que comment gérer un pays avec monnaie Nabisouyon sur un pays, un système politique Nango, semi-présidentiel, Obisika, Premier ministre, au Kamba gouvernement, au Kamba majorité parlementaire, alors que Ndeko Fayoulou, ce qui a par chance à Jules Okola président, à cause de la tana député Mokote, comment il va s'y prendre déjà? Et ça, Moko, il va perdre, tel Okola, Moko, il va perdre, il va battre, il de Kaoti Koloba, que vous perdre. Alors, deuxième petite question, c'est que na 2018, bon, Zalaki na 5 ans, 5 ans Zalaki, et c'est Zalaki, bande konyo so na ba Zalaki. Maintenant, souka bo ki ko bisa biso ki ba yibibino pouvoir na bino ba yibibino bo gagner ki me bo joie kité. Qu'est-ce qui vous rassure que cette fois-ci vous allez surveiller et ceux qui bo gagner solo. Malobombo ka.
Merci beaucoup, Maman Namutuna Nayo. Merci, Pénandeko, co-débatteur, Ndeko Patrick. La CPL, la façon dont il y a, je vis qu'il a tourné en rond pour ne dire qu'une chose, citer le nom de Martin Fayou, depuis qu'il a commencé. Mais au moment politique, il y a compétition des idées des intelligences. Pour l'intérêt, il y a Mboka et Kendeli Bosso. Je suis content qu'il soit en face de moi et qu'il parle de la stabilité. J'ai quand même suivi Nalanda politique ya Congo, Banda Nazana Université en 1990. Je connais Bahati, Oyaza président Naye, Oyazala qui Moko Yaba vice-président, il y a président élu Martin Fayou, na FDD. Peut-être lui, il n'est pas informé. Mais président Ezalaki, le Tundula. Je connais le parcours politique parce que je vis dans la politique depuis toute ma jeunesse, je sacrifie en haut la politique. Je ne sais pas encore faire les calculs de mon combat politique. Mais ça, réserve en Boka. Peut-être que ça mal placé à Oloba Makambo et Tali combat politique. Bon, Moutoye na stabilité. Abosani n'aie que. Les premiers à soutenir Joseph Kabila, les Arabati, on va toujours les premiers. Pendant 18 ans, il a géré ce pays avec Joseph Kabila. Quel est le résultat? Est-ce que lui peut donner le résultat? Ou nous demandons à ceux qui nous suivent, Europe Sabiso, le résultat, il y a Oyo Bahati, Asala, na Kabila. Il était aussi le premier, il y a que ça la transhumance, il y a Zafoui à transhumance. C'est-à-dire qu'après 18 ans, il y a gestion, il y a Mabé Yamboka, où il y a Memi Bissot et Sikambo Kezalelo. Mais Ake, une fois de plus, du mauvais côté de l'histoire. Il a peut-être oublié ça. Et il est mal placé pour Aloba, où est allé stabilité. Parce que je ne connais pas son parcours politique, mais où il y a leader, il y a représenté. Parce que Makambo, il y a parti. Vision Nabango, Makambo, ils sont en train de penser. Donc, cette question-là, il y a stabilité, il y a constance, il y a Zanango, même pas 1%. Bon, je comprends, Bande Konabiso, il y a Igno Sacré, Naozoyo Bongo, parce que Bino, Boza, Botalara, Botelma, Nakati, Kati, Otali na gauche, Otali na droite, numéro 11 à Okata Corné, ou bien numéro 7 à Okata Corné, pour y aller la côté Nino Kende. Vous n'avez pas un objectif par rapport à un combat politique. Bon, maintenant, il y a un côté peut-être dans l'AFDC. Vous êtes sorti dans Marmite, il y a FCC, et Lelo, vous êtes très mal placé pour Boloba Makambo et Tali stabilité. Nous sommes restés constants dans notre combat pour la démocratie et surtout pour les élections en République démocratique du Congo. Quand nous parlons des élections, ce sont des élections justes et transparentes. C'est-à-dire, élections où il y a les lots batounyonso. Ezala bapaya, baoutina moukile Europa. Ezala obazo ou en Amérique. Ezala awanakati motonyos le lot. Posana yé, ezali ke élection, ezala yasolo. Moto oyo akolonga, alonga, oyo pa kopola, apola. Mais il y a lobi ke ba monaki moussika. Ke changement. Mais est-ce que vraiment ndeko. Na AFDC, ils ont 18 ans avec eux. Les lots basali 5 ans. Baza parmi Bato Oyo, basali débauchage dans le Parlement. Baza parmi Bato Oyo, basali les lots transhumance. Est-ce que ba memi changement dans le Congolais? Les lots tozo loba penda malembe parce que les lots ont compétition ba idée, maman. N'a pas problème au tozo na mboka les lots. Quels sont les fondamentaux de la République aujourd'hui, les grandes questions où il faut trouver la solution? Ce qui tokocha sécurité, ce qui tokocha cohésion nationale, ce qui tokocha social et peuple, ce qui tokocha transparence et élection. Est-ce que va réussir la sécurité? Est-ce que lui il peut dire oui à Okokate? Et ce qu'a lobby, population d'Agololae, n'a évité sur un candidat. Ça dit qu'à vous perdre ma voix. Bien sûr, à chaque candidat. Est-ce que. Mais, à Kolobate, là on a épargné. Est-ce que le loto Kolobake, Mboka, cohésion nationale, les alliés, ébranlés dans le régime où il y a Tchigele?
Est-ce que les lots de l'économie sociale et la population est allée? Na kamo endenge na moni ndeko ya zo beta tolo ya intellectuel muta bwanya tala ndenga za présentable mais zo beta tolo na gratuité et enseignement. Est-ce que ye akoyiko pesanga député moko to ye moko oyo mwana na ya tanga na école gratuité bakosa ba kongolete? C'est un principe ya kitoko oyo ezali na constitution. Mais tant que bolingi bosala yango bosala yango na bolamu nyoso et memela biso litomba tolinga gratuité té oyo ekoya opesa biso deuxième session d'examen d'état. Il n'a jamais vécu ça depuis qu'il existe. À mon deuxième session y a examen d'état na yoki ke ndoko toni moi ba azali ko se justifier to ezala kité maman. Donc okolim sangana tanga kombo neti Vodacom neti Airtel to neti Orange. Résultat, quelque part. Est-ce que c'est normal cette histoire-là? Batikali, miwe, bazo tatone, bazo ebate ba kosalani. Alors, donc, Ndeko, nous devons faire très attention tant que toujours le cambo au changement. Lelo, après 5 ans, Ndeko Tshisekedi dit, ce qui toque une élection au ESA transparente, est-ce qu'il y a besoin de 5%? Parce que Yemoko, Motoatinda été Yemoko. Alobi makambo mi balé na manda waye mususu na tiki likambo liboso alobi soki ye a réussir té na likambo etali sécurité na est manda na ye a échoué. Deux minutes osongé la question na ngai, comment est-ce que bimbo ko gagner bo travailler sans majorité par mais na waye osongo na mutuna na yo. Je suis en train de répondre à notre ami pour que azala calme. To yebi ke na seigneur on a presque 10 millions de fictifs, selon by données aux États-Unis. Peut-être ça la mensonge. Comment est-ce qu'il est noté? Oh maman, mais fichier électoral est réalité. Il y a eu que Kadi Matilde Lo a zali comme ça l'enrôlement. Moto accueilli, combo exacté, bah passer carte mon sous. Vous voyez bien noté maman. De l'avance, il y a pas duplicate. Non, je vous dis, nous avons des éléments. Alors la prochaine fois, je vais vous amener. Tout ça n'a pas d'élément. Moto accueilli, il y a bien madame sous combo exacté. N'habitez sur qui a ça qui est d'accord. Mais nous avons déjà constaté entre 5 et 6 sur 10 combo ezalité talatina ya audit citoyen et salami yango moko. Donc biso toko continuer ko bunda pona tozo transparence ya ba élection. Alors ndekwa lobi namuna akeya wa proclamation tout ça té kozala avocat ya CNT. Je vous comprends parce que vous avez manigancé la fois passée na CENI. Olandi makambo ya nanga, personne de vous n'a réagi. Nanga to kangaye. Avec ce qu'il a dit là, to kokangaye. C'est à la justice. Ye azala ki président, tant na zolo ba justice za na kombo ya peuple. Mama, nga na peuple. Justice za na kombo ya peuple. Nga na za peuple. Na yeto na ebisio comme peuple, matin fayu la okinotika. Yo mona tiko bia tikite. Nga na peuple. To kokanga ne konanga. Ye batinda ki azala indépendant. Akine kokoma, côté. Et puis, il faut abîmer ça et le coup, il y a lobby. Il y a mon libre sauté, c'est une importance parce que, et ça, la Macron, il y a Tiao. Aïe, ça qui bamouk. Vous avez fait un compromis à l'Africaine. Il le sait. Nan y a l'obate, nan y a yébite que Martin Fayoul a gagné ma élection. Bon, je comprends parce que Balongwe na stade ya koko sabato. Batou tellement ba comprendre koko sabango, ba komi ba mitoman. C'est-à-dire que va faire croire que les tambours sont solo alors que les alokuta. Donc, on va commis vraiment la mythomanie, l'union sacrée. Une minute, très bien. Alors, pour répondre aussi, oui. On est acquis motivation, maman. Comment gérer un pays avec un président? C'est ça. Nous sommes redevables. Nous sommes ensemble à députés. Ah, mais nous allons répondre. Députés nationaux, provinciaux. Est-ce que tant que tu as awa, tu as le bati, tu as papa, pépé, mbosso, tu as le nan? Tu sais que na équipe ne mobima. Na nyaza redevable vis-à-vis la population. Est-ce qu'il y a un seul député au Yakoro Lobake, il a travaillé pour le peuple, qu'on en a parlement. Mais c'est le gouvernement qui gère le pays. Voilà, comment tangi gouvernement. Maman, nazo répondre yo bien. Nazo répondre yo sur le plan pratique parce que to lingi mboko kende liboso. Moto aza redevable devant biso lelo eza bangote FDC. Les achilom. La gestion ou ma bé à sali. On a ébissé que sécurité ma bé. Social ma bé. Nyonso ma bé. Cohésion nationale ma bé. Les achilom.
C'est le président de la République qui est redevable devant le peuple. Ok? Yangona so otali na mikanda. Au moment où il y a un régime semi-présidentiel, il y a un journaliste qui est un journaliste à Bouania. Le Premier ministre a tenu combien de conseils des ministres? Il y a un Premier ministre. À ça, il y a un conseil des ministres combien? Il y a un chef de gouvernement. Il n'y a aucune considération. Je me suis dit non, il y a un exécutif bicéphale. Il y a un comprendre. Parce que moi, je suis technicien. Sans malocon de voilà comme on a eu. Pour pas congolais, pas mingi, baïbi, n'a pas mouette. Comme vous voyez. Sans malocon de Athéna, combien de conseils des ministres Fayoulou sera redevable vis-à-vis de la population. Comment s'y prendre justement? C'est ça la question. Une fois élu, Azana député, Téana sénateur, il faut constituer majorité parlementaire, il faut nommer gouvernement. Gouvernement, là, il s'est quitté pour le c'est ça la question. Écoutez, Lelo Oyo. Il y a un temps à l'autre. Ce qui est journaliste, c'est Congo et Bélé, basu mon solo. Pour nous, nous avons un bon, mais il y a un temps à l'autre. Ndenge pe na wotanga ba député mon soussouté, Oyo Bazali, na parlement, élu valablement, pe ba si mambongo wanate. Kanga et loko na zoe psayo. Martin Fayoulou n'avait que 29 ans. 29 ans. Na kati assemblée wana. Na conférence nationale souveraine. Abima wana. Elengea. Azombong à l'État, parce qu'il devait travailler pour l'État. Donc, Oyoyozo va te prendre. Tu as une stratégie politique. Tu as bandoya, Koulobayango, Malembe, Malembe, Koto, Kinabango, Malembe. Le Kola Lelo Bisotoyo qui appelle Yaba Père spirituel. Oyo Tokendang dans l'élection en 2018. Oyo Baatia Zaki dans Kabila. Baboua qui organise l'élection en 2006. Toyo qui appelle Nabango. Ce qui te boye, le Bapé, on a dit le Boboye. T'es! Bisso, toyebi nyonso torosala pas à pas. Au moins, on a son aïe awa, la même chose. Les lots sont à l'obi boye, l'obi n'a rien à l'obaboye, tozo kende étape par étape. Fayoulou, batouba votaye, population votaye à 62%. Les lots ba réclamer. Ba président, y'a la mouka, ba monique, te moutoyo, tope saye, peuple pas réclamer. À cause de la redevable vis-à-vis de la population. Bisso te soutenir. Moi, je suis un élu, non, soutenir. Gagnez déjà dans l'obaboye. Baba Zinyo so bazolo l'anda déjà. A yedi ke, awa, mfumu, la gizika. Hein? Le président élu Martin Fayoulou. Donc, match ezate. Très bien. Merci hein? Beaucoup. Match ezate, match ezate, match ezate na lobi ango trois fois. Normalement, soto zalaki na mboka mo serie. Bango, ti lombo ifalaka boya na yekutu. Aboya na yati kanika ndati ote. Paul Obanin, ye mou rasa lobaye déjà ke, soki est simbite, na landi na. Makambo zolo ba on bamsu to zongela yango olobi kuna na est zone dongbana hein zone dongbana to zongela yango mbala mibale. Très bien, merci beaucoup Ndeko Patrick Makanga, union sacrée, vision à chef de l'État, beaucoup accompagné mais awo bande kunyo so bazomi na course Ndeko Fayoulou Azongi, Ndeko Matata azali ko déposer candidature na ye Moïse Katumbi a annoncé bande kunyo so bazana course. Est-ce que vous êtes sûr que vous allez porter Félix Tshisekedi pour avoir deuxième mandat na ye? Comment est-ce que vous beaucoup s'y prendre? Est-ce que vous allez difficile na binoté? Est-ce que Félix Tshisekedi saura faire face na bande kunyo so ne bazali koya na combat monnaie le conseil le 20 décembre prochain? Merci beaucoup maman Naomi na moto na yo. En tout cas c'est clair, je confirme encore que mon frère est sincère, monsieur Clément, il est sincère, il n'a pas été à mesure ya courant contre ngai na makamuno na lobaki. Parce qu'il sait que j'ai raison. Et la conscience a pris le dessus sur lui. Il n'a pas voulu me rencontrer dans ça. À qui aussi la fixation par le président Nangaï, à parti politique, paix, autorité morale. Nangaï, le professeur Modeste Batu Lukwebo, nous parlons de FDD, j'en passe. Ben, monsieur Martin Fayoulou a créé FDD en 1990. 1990 qu'il a créé l'FDD. Et en 1991, je dis bien, une année après, il y a une conférence nationale souveraine. La conférence nationale souveraine vérifie, on vous dira que Modeste Batu Lukwebo a travaillé na Mosengo Pasinya comme représentant de la société civile. Renseigne-toi.
la première fois, Monsieur Modeste Bat Lukwebo Ozo Tanga Kombo, ton musée Laurent Désiré Kabila, a comme qui chef de l'État, par coup d'État. Des gens qu'il a fait arrêter, entre autres, il y a le professeur Modeste Bat Lukwebo. Pourquoi? Parce qu'il avait continué, malgré interdiction, il y a AFDEL, il a continué à organiser une réunion à la société civile. Il a organisé une réunion à la société civile, mais AFDEL est à qui Kokangaye. Et il a fait 8 mois na prison. 8 mois na prison, Makala. Modeste Batuluku, peut-être tu n'as pas ça. Tu n'as pas cette information. Monsieur Modeste Batuluku a créé pour la première fois son propre parti politique en 2010. Avec ça la AFDC. Avec ça la AFDC. En 2010. Il a créé parti politique. Mais pendant tout ce temps, il était toujours représentant, il y a société civile, la différente gouvernements, organisations, tout ça d'histoire qui se faisait. Parce que sur Tali, la histoire de la société civile, Modeste Batulukobo fait partie des grands combattants qu'a connu ce pays en ce qui concerne la société civile. J'ose croire que les anciens de la société civile, au Bayébis, l'histoire de la société civile, ils se retrouvent dans le Kamnazoloba. Si même aujourd'hui, l'AFDC fait peur et que les noms des Baati terrorisent et terrorisent les gens, pas qu'on diabolise en haut, c'est entre autres parce qu'ils savent son combat. C'est quelqu'un qui, quand il se lance dans un combat, il y va jusqu'au bout. C'est un oboutiste. Oboutiste. Permettez-moi les termes. Ah, mais tout le monde sera un combat qui est en raison pour laquelle il y a l'engue de Saka. Et ça, il y a opposition. Et ça, il y a deux fois même, il y a un pouvoir. Raison pour laquelle les gens cherchent à retirer un bâton dans des roues, les gens cherchent à diaboliser, tout cet état d'histoire. Mais c'est un monsieur constant. C'est un monsieur constant. Oui, AFDC est soutenant Joseph Kabila Kabangi. Mais AFDC, FCC est bien en AFDC. Et puis on a tiré toutes les conséquences nécessaires. Tout le monde qui nous joue devant FCC, et voilà ce qu'il en a aujourd'hui. Donc, peut-être. Au monde à Kabat, tu le couvres de loin, tu n'as pas des informations sur lui. C'est vrai, l'émission, ça ne devrait même pas tourner tout autour du nom du professeur Modeste Batulukobo. Un monsieur très crédible, un monsieur très loyal dans tout ce qu'il fait. Il a porté des volets par Mokonzambo Kabalibo, ce fait que c'est un truc Tulombo. Et les gens sont venus après, pas tout le monde a demandé, mais il faut rejoindre. Et tu verras que ces genres de discours, sûrement, au moins, c'est un peu dans quatre familles politiques qui, des fois, ils n'ont sacré. Et au bâti, c'est ci, bâti, c'est là. Mais puisqu'il partage aussi les bilans, il y a, il y a Joseph Kabila, il y a 18 ans. Non, le problème est tel que, non, il faut savoir établir des responsabilités. D'une manière générale, étant membre de FCC, on dit oui. Mais après la globalité, tu peux te ramener dans le détail. Dans chaque règle, la règle est générale, mais les exceptions confirment la règle. Mais si on compte dans le détail, qui était Batulukobo? Un simple ministre dans un gouvernement dirigé par un premier ministre. Et qu'en est-il d'un pays? Qui ne sait pas que Batulukobo a souvent été victime de la marginalisation, même de ses propres camarades de la même famille politique? Ou ça même que non, na fief na ya Bukavu, Natal, Batulukobo a été débarqué dans l'élection, à 200. Tout ça pourquoi? Parce qu'il y avait un certain Némi Moulania, il y avait un CCCLE, il y avait un certain qui ne voulait pas débattre, du coup, malgré le temps du FCC. C'est un homme, c'est quelqu'un sur qui ce que l'on combat, Nzamba justifie Yakaï toujours. Faire très attention avec ces messieurs. C'est un chrétien pratiquant. Peut-être les gens les voient. Revenons à ma question, moi, Namboka. Pour dire que dans tout ce qu'on a l'obaki, Bandekobo Kangonka Bongo, parce que mon Ndeko Clément Moussa n'a pas pu y rejoindre Ngaï Nango. Bon, tu as bloqué encore Bongo. Mais il est allé dans. Il a fait un bon mélange là. Il a fait une bonne sauce à mélange pour nous colouquer un peu. Pour justifier une nouvelle position à Ngavan Nango. Mais nous avons balayé Nango. Parce que le problème est tel que aujourd'hui, on peut beau dire, beau parler. Mais depuis 1960, et puis nous avons le je ne parle pas en fonction des gens de l'opposition au bazar de l'agenda n'a pas cassé. Parce que tout le monde mouzi, toi, Zalaki, les bras droits, il y a Martin Fayoulou, saluer
l'effet de voir le budget être quadruplé. Mouzut a salué l'effet que le budget multiplié par 4. Depuis 1960, on n'a jamais eu un chef de l'État qui a travaillé comme Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Parce que à tous ces secteurs longtemps oubliés, bah, secteur longtemps délaissé, entre autres, bah, couverture santé universelle. C'était un mot étranger, pas bah, congolais. Gratuité de l'enseignement au Yazo combattre le lot. Parce que la couverture santé universelle, les enfants aujourd'hui, les femmes, basant la possibilité de okay, la maternité, au boti, aux yeux, basant avant qu'au boti orphelin, au boti orphelin, bébé. Basu va soigner un bébé. Mais Tala RDC est classé parmi les pays rouges en termes de mortalité infantile. Il y a beaucoup de filles qui ont été en Kobota. Je suis content qu'il y ait une piste de solution. Parce que pour la plupart des cas, c'était des gens qui manquaient le moins. Peut-être que vous avez été docteur avec de belles vestes, une belle cravate. Tu n'étais pas victime de l'angle. La population sent cela dans leur corps. C'est ça, parce que ce sont ceux-là. Mon condamnement est redevable, n'est pas lobby. Mon condamnement est redevable, n'est pas un bateau ou une population. En même temps, gratuité à Zoro, comme tu as dit, les peut-être moi, on a été. Il y a l'activiste, bien, cravate, bien, tout ça, il est beau. Belle lunette, belle cravate, bel costume. Plutôt belle veste. Peut-être que je vais me faire la possibilité de foutre parce que même un agent de l'État dans des entreprises bien à la possibilité de foutre moi dans le même côté de la photo. Mais bana ya bato majorité ou pensé qui vont possibilité pas mon compte mboka comme ya zalelo. Ma fréquenter ka école gratuité yé. Parce que na outa qui na EP4 masina. EP4 masina. IPES T na masina. Na moni na musu na ngai ekolo ngai na tanga na mbongo bana bazu tanga ya ofele changement toté c'est changement donc pour dire que wana na tenga sur ce point là sans compter dans le domaine des infrastructures notre pays était quasi inexistant même la capitale de Kinshasa comment qui est enclavée. Mais quand on entend le route Nzola, comment la population est en train de danser tout le temps au nom du chef de l'État? Elle pense que ce sont eux qui vont voter le chef de l'État. Mais ils sont une minorité qui se revendique être de la moukansou d'opposition. Mais la majorité de la population sur qui le chef de l'État hasard est devant, ni bango baza qu'on se retrouve. Et ça, on a niveau à plateau à télé. Donc j'atterris en disant que M. Martin Fayoulou reconnaît au fond de lui que Asali est un moko monumental. Pourquoi il était plongé dans la distraction totale? Il se ressaisit, mais en retard. Vous pensez qu'il les regrette? Dans un système semi-présidentiel tel que garanti par notre constitution, M. Martin Fayoulou a perdu la mise. Il a perdu la mise. Merci beaucoup. Il n'aura pas de représentant au niveau de l'Assemblée nationale et une telle personne, population, qu'on dit matin. Très bien. A qui voté Moutoyo. Oh, quelques temps après, tu as plongé dans le blocage. Pourquoi? Parce que c'est la majorité à la députée. Brosser la moyenne une corruption pour corrompre des députés. Une EPS avait des députés. UNC avait des députés. Tout cet état d'histoire, ils ont créé un front. FCC casse, malgré le fait que FCC a été animé. Mais il y a des. Donc vous viendrez avec le pouvoir à la population. Vous pensez que les politiciens sont la majorité dans l'Assemblée nationale. Parce que vous avez un député à mon côté. Vous allez diriger. Donc pour dire que. Monsieur Martin Fayoulou sait qu'il fait de la blague, en fait. Ayebika osala ba blague. Comment? Il est allé tenter un coup dans une soirée perdue d'avance. Merci beaucoup, Ndeko. Merci, Mingi Matondo Mingi. Ndeko, moko akome libiso. Moi, problème, il y a connexion. On a juste un gros message d'un minute à l'objet. Les conditions pour déposer sa candidature étaient que les experts indépendants, externes et crédibles fassent l'audit du fichier électoral. Est-ce que cela a été fait? Non, Ndeko. À introduire un membre et à partir naïe, na une erreur, ma casse, na kopekisa, bango, ba déposer ba candidature à tous les niveaux, tala lelo et moko azongi, azali, malamute, pour na bandeko, ya parti, onaye, merci, mingi de komisolobi, tout na maître Clément Mouza, pour la nini,
deux requêtes au bas déposé à la Cour constitutionnelle en 2018 et Zoaka et Yanoté. Merci beaucoup. Beaucoup, beaucoup, comme l'habitude, comme presque dans la émission de Clément Mouza. Avant que Martin Fayoulou aille au déposé, il était pour l'audit officiel électoral. Tout le monde a dit que c'est un mandat de Kambeta, de Lubumbashi, de quatre leaders. Le long de la route, il a battu la campagne. Est-ce que vit en face na bino de Félix Tshisekedi n'a plus de 500 partis politiques, est-ce que l'autre groupe politique que tu crois qu'on soit même candidature commune moko et opposition na bande de connions sont dingue basanga, est-ce que c'est encore possible, est-ce que ba na Congo ba ko politique ya ke boko sanga na opposition pour na ko pesa pour na ko combattre justement au bino mozali ko benga préparation à fraude électorale? Non, très très bonne question madame. Mais au moins une déco Patrick a tépi à qui na gauche à qui na droite pour deux questions y poser, quelle est la vision y a Chilombo, il n'a pas répondu, il est allé juste sur le nom de Martin Fayoul. Opposé aux deuxième question, comment va obtenir deuxième mandat, au moins il pas répondre était donc à perdre ma minute pamba penza pour répondre. Ce qu'on a dans le domaine de la sécurité, il n'y a pas de voter Chilombo. Ce qu'on a dans le domaine de la social, il n'y a pas de voter Chilombo. Ce qu'on a dans le domaine de la cohésion nationale, il n'y a pas de voter Chilombo. Dans le cas où il y a le baké, en 1960, le président Oyo, le Congolais, il a été en braquage électoral en 2018 dans Sima Yamou Congo, il a été Chilombo. Nde konangai na répéta ka toujours nzembo ya papa wemba batuba sekarabino boye bakati. Bino bosa ba intellectuel. Il faut boyo ba ka vérité so boye na télévision. Yo okanisi social oya ba congolais bazole la butu moyi. Mutu moko batuba komi ko kanisa na Kabila. On parle de quoi? Yo zomu na penda na mboka oyo na oyo mobutu atikela kabiso ya cohésion nationale. Yo zomu na kena mboka oyo ezali. Soit tu es au Sungamboka, soit tu es au Sungamboka. Ce sont les fondamentaux de la République. Motoye moko a lobi que ce qui a réussi à la makambo ya sécurité, c'est-à-dire que na zone maïté, mandat n'angaise ali pamba. Est-ce que ba Congolais, ba moni yango, to ba moni yango tendeko? Na yebi que bozali bato yo bokomi ko banga. Naebi ke bozali bato yo bozui panique. Naebi sio ke soki toke na election o biso to ali ko bunda ba ko komani ba ko yo kangai. Félix Tshisekedi rejoint ta 5% te. Election o ya solo. O ye kozala lokola ya nangate, o ye kozala lokola ya ngoi mulunda te. Ngai na soka mwabino bozo bosa na histoire. Lelo toza na constitution mama. Bato bazali ba lien na bino li de pes. A voté la constitution au Yotéa. Dans le référendum, il y a un. Mais le lot, c'est ça, il y a un. La stratégie politique, il y a un yango pour que tu sois constance, il y a une élection. Et ça, va, ça ne va pas se négocier. Heureusement que, au Yébi, que moi, je suis Martin Fayoulou, c'est la constance et c'est la stabilité. La loyauté aux fondamentaux de la République. Ma kamwana yo ko lobangote o lobaga français na ya kitoko. O ko lobangote o rencontre via mutua wa ti makambo mituno bali ko tuna yo ozako kena ngote. Donc maman, nous allons tout faire. Donc continuer les combats continuent. Ensemble na bandeko to mutuna mutunde. To sali ata erreur moko politique te. To zana ligne politique o to zolanda. Parce que Moutouna ou Ezali le Ezali, Ndenge Nini, to koki kozoa transparence yaba élection. Tozo senga transparence, mais to koki kozoa yango Ndenge Nini. Il faut la stratégie. Et le commandant du peuple a zan la stratégie. Mais tant yo yena likambo etali, les candidats communs, ce n'est pas encore le moment. Eza Moumate, chaque parti politique, Ndenge parti nanga yeside, le 14 juillet 2022, après ça qui mandat, le président élu Martin Fayoulou au cause la candidat d'Angaï. OK? Ndenge pe batuya AFDC ba pesi ke ba cause la candidat na bango ezali Chilombo.
attaque aux visions basant la moté, attaque au bango moko baébité ndengeni bakozwa deuxième mandat. Donc, ce n'est pas le moment. Moto na moto a ko déposer selon oyo ye azali nango na parti na ye. Biso tozali na oyo to bengi manifeste de Kisangani. Oyo to tché ba défi ya mboka ezanini. Na ko koloba entre guillemets les projets oyo biso tozali nango pona mboka. Donc faire face ce qui doit avoir plus de 500 partis politiques. Bon, on a pêché 5%. Il y a des partis politiques combien? On a des simulations. Aux Hollandais, ils ont des simulations. C'est exactement ce que Joseph Kabila a fait. Bon, il y a 500 partis, il y a 600. Ce qui David a dit qu'il n'y a pas de matabunda na Goliath. Ma kambo te zo lo ba awe zana Bible ko mama aigle za Martin Fayulu pe akozwa bokonzi o ya légitimité o constitué lukaka sokinde konayo azalaki David olinga ko lingate abundana Goliath. Goliath o yebi kombo mususa Goliath ezakani mama na zo lo bango na mana ye kosho kombo mususu ya Goliath, kombo mususu ya Goliath ezalaka jaloux. Vérifiez ngo comment monsieur ya Goliath est jaloux. Et je vous dis que tous en a peuple et ezana candidat mon côté. Oyo na bango nyoso ki ba côté ozotanga ba kombo wana. O ya ko faire face la popularité à Martin Fayulu Lelo. Merci beaucoup. Il faut dire que Union Sacrée, Bandeko Bemba, Bandeko Vital Kamere, Mboso, Gobila, Batuko, Union Sacrée. Tokotan na bato boete pour bazaba candidaté. Hein? Tokotan na bato. Total le bateau dans un candidat. Hein? Pour le peuple et l'équipe à moto. Très bien. Merci beaucoup, M. Patrick Martin, d'avoir connu de la fin de l'émission. Ouais, merci beaucoup. Je sais que je vais devoir 4 minutes aussi. Un message à la population. Une minute, on finit. Une minute. Mais c'est mon temps. Lui, avec 4 minutes, j'en ai droit aussi. Ou soit je ne parle pas. Est-ce que moi j'ai eu 4 minutes ici? Bien sûr. Je vais regarder. Je pense qu'on a un débat. Je n'ai pas eu 4 minutes. Je peux ne pas parler. Parce que c'est lui qui a commencé en projet. Je n'ai pas la police de débat, mais je ne pense pas que je l'adresse. Je l'adresse à madame. J'ai regardé le décompte. Donc c'est ça le problème. Il faut mieux gérer les temps d'antenne. Et puis ça, c'est de l'injustice que je dénonce. Oui, oui. Je dénonce cette injustice. Prochainement, maman, il y a un chrono. Mais néanmoins, apparemment, je ne sais même pas comment. C'est d'abord. Je constate que Nangambu Yalamuka. Il n'y a pas une politique stable, et le Kualiboso. Puis la présence de Martin Fayulu ne nous fait que rire, parce que à rejoindre Bissot Toloba Kiango, nous, on a mis en place une politique au Kanda Morotako Meka, parce que Kanda Morotako Morotata Lokolo, la politique sur terrain, les actions sur terrain, même la sécurité, Zobana Kalamingte, a changé de discours, action sur terrain, tout ça. Donc, il était tellement si proche de la population. De telle enseigne que non, nous, on ne craint rien. Monsieur Martin Fayulu, en réalité, représente une erreur tactique qu'il y a Moïse Katumbi Tchapou. Il en regrette aujourd'hui. Espérons qu'il sera à la hauteur de ce qu'il était en 2018, mais il n'est resté que l'ombre de lui-même. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, Monsieur Martin Fayulu, la population a compris qu'il est très instable. À sa stabilité, à sa moutoubaropé, sa confiance, à moutoubaropé. Oh, donc, on pouvait bien. Lui entend lui accorder crédit, mais en tout cas, il ne mérite même pas la toute petite attention. Alors, par rapport à la population, j'atterris en disant que il y a une grande matinée politique pendant Teke, Natchangou, na terre municipale. On a aussi un peu M. Clément Mouzavi, Kazak, candidat à Yaya. Bon, mais mon papa, si vous avez un bon mot, vous avez un bon mot. Je pense que je vais protéger mon temps d'antenne. Protéger mon temps d'antenne. Donc, le terrain municipal est à Massina le 7 octobre, donc c'est samedi. Il y a matinée, pendant teke, toko beta li solo, il y a fonctionnement politique, le système mafia, et puis comment la population ne se retrouve pas, l'impact des élus et consorts. Donc, tout benga, na bengi bana nyon sur la tchangou, pour répondre présent le 7 octobre, répondre à tout pendant teke, tout monique batoudja basu, maturité politique. Faut qu'on ait déjà la vérité, ça ne sert à rien. Et après, pour sa population, M. Clément Mouzaba, ou Kaba, terme d'expression, nous, on va dire la vérité à la population le 7 octobre. Non, Batiki place, tu as sauté, il savait qu'il n'y avait pas de place. C'est ça la difficulté. Non, il y a eu Binege Tchangou, c'est Clément Mouza. Il y a eu une minute trente,
et qui va se déranger, ça n'a eu qu'à une minute. Bon, ça ne sert à rien de beaucoup parler. Ce qui est bien conçu, s'énonce clairement les mots pour le dire. Les mots pour le dire viennent aisément. Très bien, merci beaucoup. C'est la fin de l'émission. Tout d'abord, il y a des compléments pour vous en découvrir. À Patrick Makamba, pour la promo, tout le monde a mis au but de relever le dossier sur le déplacement budgétaire. Et budget exercice 2024, les avis présentés dans l'Assemblée nationale, que vous allez en découvrir. Na, Bino et Longo, votre la question, la Bino, la Bino, la Kiki, la Bino, la Bino, la message la Bino, la question la Bino, la Bino, la Bino, Congo, tout battre la Congo, tout le Congo et tout battre la Mini Mini. Intégrité territoriale de la vie, surtout la Congo, conservative de la même habité, nous sommes toujours. Avec le même plaisir, restez nos fidèles. Au revoir. Nous sommes le pont entre les États-Unis, le Canada et la RDC. ExoFreight, vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagés et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des États-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo. Nos adresses, aux États-Unis, 1000 Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, boulevard Monk, H4, E3, H8. À Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Rigini, commune de Lema, et bientôt à l'est de la RDC. Avec ExoFreight, il n'y a plus de limites.